Bonjour, c'est Eric de La Fontaine. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit top de la forêt de Brocéliande où j'organise régulièrement des ateliers chamaniques. Il s'agit du miroir aux fées. Situé au cœur de la forêt, à l'intérieur du Val sans retour, le miroir aux fées est un étang qui tire son nom d'une époque où la forêt était si dense qu'aucun souffle d'air ne venait perturber la surface de l'eau qui reflétait ainsi la lumière du soleil, tel un miroir. C'est vraiment un lieu idéal pour méditer, pour plonger à l'intérieur de soi-même en ayant une vision intérieure extrêmement claire. Plongeons ensemble quelques instants en nous-mêmes, en nous transportant par magie dans cette forêt merveilleuse. Entrez dans la forêt magique de Brocéliande, où ont eu lieu les aventures de Merlin l'Enchanteur, de la fée Viviane, du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Osez pénétrer à l'intérieur du Val sans retour où vécut la fée Morgane, et venez vous asseoir au bord du miroir aux fées. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, et à l'expiration, laissez votre regard se perdre à la surface de l'eau. Profitez de la sérénité et de la lumière de ce lieu pour vous apaiser intérieurement et pour augmenter votre clarté intérieure. Ressentez en même temps tous les arbres de la forêt et les esprits de la nature vous entourer. Laissez l'énergie de la forêt de Brocéliande vous pénétrer, vous remplir et respirer. Voilà, pour aller maintenant plus loin dans la magie, je vous invite à me rejoindre à Brocéliande lors d'un prochain atelier chamanique en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous découvrirez cette forêt extraordinaire de Brocéliande et surtout, vous découvrirez beaucoup plus de choses sur vous-même. À bientôt.